de délinquants, ça vous interpelle ou pas du tout? À quel niveau? Au niveau du quotidien, je veux dire, vous êtes concerné par ça? Non. Au niveau de la tire, les vols dans la voiture. En tant que délinquant ou en tant que... Il y a une drôle de faune qui traîne. Ah, mon pute! Si c'est dangereux, vous le saviez? C'est dangereux. Vous pensez que c'est mieux? Oui. Vous saviez qu'ici, c'était le quartier le plus dangereux de tout Paris? Je l'ignorais, évidemment. Un vol toutes les 17 secondes. Hein. 15, 16, 17, vous voyez? 15, 16, 17. Normalement, il devrait y avoir... Que pensez-vous du vol de casquettes sur les Champs-Élysées? Le vol de casquettes? Vous savez qu'il y a en moyenne 175 casquettes volées chaque jour sur les Champs-Élysées. Mais à quoi ça sert ça? Pourquoi on les vole alors? C'est quelqu'un... Un réseau, une filière, un trafic. Oui, un trafic de casquettes. De casquettes, de vol de casquettes. Je vois pas pourquoi ça. Vous n'êtes pas concerné du tout par ça? Non, je ne suis pas concerné. Si on me vole ma casquette, c'est quelqu'un en a besoin. Vous êtes touriste? Oui. Il y a des touristes qui se font voler leurs mallettes ici sur les Champs-Élysées. Pascal, oui. Je t'en supplie, fais-le. Je comprends pas. Non. Est-ce que vous pratiquez le karaté? Ah non, non, non. Non, bon, alors. Alors, dans ces conditions, que pensez-vous du vol de mallettes de touristes? Pascal, mène-toi le cul. Que le tueux? 217 casquettes ont été volées l'année dernière, ça vous interpelle ou pas? Ah ah. Non, 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 non.